Chers téléspectateurs, 5 de pique célèbre le caricaturiste Pierre Sade et la liberté d'expression qu'il incarnait vaillamment. Né en 1938 à Zahle et décédé en 2013 à Beyrouth, Pierre Sade étudie à l'Alba. Ses caricatures illustrent des publications locales majeures, comme le Nahar et des titres internationaux tels que France Soir, Washington Post ou Jeune Afrique. Le dessinateur crée Touma à la fin des années 70. Le personnage populaire représente le citoyen libanais qui ne croit que ce qu'il voit. Pierre Sade introduit les caricatures animées à la fin du journal de 20h sur LBC de 1986 à 2002 et sur Future TV de 2002 à 2013. Sa production apolitique combattant la censure est exposée au Liban, au Koweït, en Arabie Saoudite, aux États-Unis. Il publie plusieurs livres, dont le dernier est Bachir, paru en 1983. L'artiste est maintes fois honoré du prix Saïd Ahel en 1965, du prix Dubai Press Club en 2003 ou du prix du Festival d'art à Tunis en 2013. L'homme accède au grade de chevalier avec le président Slimane Frangy en 1972. Le président Elias Harawi le fait officier en 1997. Enfin, le président Michel Slimane le rend commandant en 2012. De Pique vous présente trois cartes du Liban. L'encre de Chine a été réalisée par Pierre Sade. L'œuvre, exécutée à la plume, est composée de trois caricatures. Elles appartiennent à la collection de la famille de l'artiste, régie par la Fondation Pierre Sade. L'institution est présidée par sa fille Rada Sade Abella. En 2018, le musée sur Soc consacre une rétrospective à Pierre Sade et élève la caricature au rang d'art à part entière. À cette occasion, les trois productions sont réunies et mises sous verre. Le premier dessin dévoile la carte du Liban vue d'en haut. Il l'assimile à une poubelle. La caricature a été publiée au journal Nahar en 1998. Le deuxième dessin reprend la carte du Liban en mentionnant cette fois l'armée. Il figure dans les colonnes du Nahar en 1999. Enfin, le troisième dessin reprend notre territoire en évoquant la libération du sud du Liban. Il est partagé dans le Nahar en 2000. Le triptyque signale la complexité d'une nation confrontée à ses antagonismes. L'intention ne consiste pas à s'affliger sur un paradis devenu enfer. Elle invite au contraire à réfléchir à un avenir meilleur. La brillance du médium est combinée aux différentes épaisseurs des traits. Grâce à la plume, elle témoigne d'une maîtrise entraînant le spectateur à se montrer à sa hauteur. Pourrait-il en être autrement? Rendez-vous la semaine prochaine à la même heure pour partager 5 de pique, coproduction de la Fondation RAM et de Télé Liban consacrée à l'art tel que nous l'aimons, rebelles et insoumis.